Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième semaine de ce mois d'octobre. Nous sommes lundi 7 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. En tous les cas, moi, j'ai passé un très bon week-end. Alors, on continue avec ce bel oracle, n'est-ce pas? Chemin de soi. On terminera avec la sagesse Ho'oponopono. Mais avant de commencer, comme tous les jours, eh bien, la petite philosophie du matin, cette pensée positive pour être heureux chaque jour. Et aujourd'hui, pour ce 7 octobre, eh bien, c'est écouter. En laissant s'exprimer autrui et en sachant l'écouter, eh bien, on s'en fait un ami. Belle pensée, n'est-ce pas? Alors, quel va être le conseil de la carte du jour aujourd'hui? Quelle est la ligne de conduite que vous devrez opter pour cette question rapide que vous allez poser dans votre tête ou tout haut, n'est-ce pas? Et quel est le conseil de la, eh bien, de la carte? Eh bien, aujourd'hui, j'ai piché la carte numéro 27. Combien de temps as-tu attendu immobile, inactif, un changement dans ta vie? Avance en pleine conscience et provoque le changement. Le conseil côté finance de cette carte, eh bien, c'est le moment de reprendre vos finances en main. Soyez inventif pour ne pas vous sentir privé. Le conseil côté professionnel, si vous vous sentez à l'étroit dans votre travail ou qu'il vous semble en avoir fait le tour et ne plus y éprouver de plaisir, eh bien alors c'est le moment. C'est vraiment le moment de vous tracer un nouveau chemin et de faire en sorte qu'il soit évolutif. Si vous avez l'intention maintenant de changer de travail, eh bien, c'est positif. Cette carte est vraiment positive à cela. Vous vous sentez peut-être étriqué dans votre, au milieu professionnel. Vous n'éprouvez plus de satisfaction, eh bien, écoutez votre petite voix intérieure. Mais n'oubliez pas d'être à la hauteur de vos envies, n'est-ce pas? Alors, les conseils des cartes, n'est-ce pas? Ça va parler à certains, ça ne va pas parler à d'autres. Et encore une fois, chacun, chacune, nous avons le libre arbitre. Ne l'oubliez jamais. Alors, côté sentimental, eh bien, le conseil est, il est temps de provoquer votre bonheur. Il n'y a aucune règle à cela. On vous invite à être inventif. On vous invite à créer des opportunités et de partager vos envies. Et pour terminer, côté spirituel, n'est-ce pas? Le conseil de la carte, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. En fait, il ne faut pas attendre que l'univers agisse pour vous, n'est-ce pas? Parce qu'il ne le fera pas sans votre propre action.
Ne soyez, pas trop rigide avec vous-même. Laissez du lest, soyez fluide. Et bien voilà le conseil de cette carte. Je termine avec Ho'oponopono. Et aujourd'hui, j'ai pigé « L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. » Mais tellement vrai, n'est-ce pas? Et s'il y avait tout cet amour dans ce monde, il n'y aurait plus de guerre. Mais malheureusement, voilà, ce n'est pas le cas. Donc nous autres, à notre petite échelle, ce monde, l'amour, c'est très important et nous récolterons ainsi de l'amour. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à demain et je vous embrasse.